Voilà, je dis belle dame, je suis tombé d'un seul coup sous le charme. Vous avez mis le bonheur en mon âme. Ça fait du bien. C'était ouais. vraiment cool déjà de voir la salle avec des gens. Ouais. Parce que c'est clair, bah, on a la chance de pouvoir répéter au Palace. Ça c'est déjà top, mais voilà, c'est. Je sais pas, c'est, on a mis un premier pied dans le plat et ça c'est tout top et ça s'est très bien passé. On était heureux de pouvoir partager ça avec un public et pareil, ça a été super bien reçu. Donc moi j'ai eu que des bons échos, donc ça fait du bien aussi. Et puis bah, on reste sur la même lancée quoi. On va taffer. Comme je le dis, encore beaucoup, beaucoup de travail, mais c'était une partie de ce qu'on peut, de ce qu'ils pourront voir en tout cas en septembre. De là, il se change tout. Mmh. Ouais. C'est la première fois qu'on était réunis aussi tous ensemble avec vraiment l'équipe de compositeurs. Les musiciens. On était tous ensemble dans les loges. Ouais. C'était la première fois qu'on était vraiment tous ensemble. Donc, on porte tous ce projet-là et c'était vraiment bien d'être tous réunis pour pouvoir montrer voilà, ce que ça allait donner sur scène à partir de septembre. La mise en scène, après, c'est pas vraiment notre partie et on est vraiment en train de monter le projet. En même temps, en fait, on le découvre aussi un peu plus tous les jours, quoi. La mise en scène, c'est François Chouquet et Laurent Serre aussi. Et puis, je pense que c'est plus à eux qu'il faut poser ce genre de questions. Parce que, il y a des choses secrètes encore aussi, voilà. Qu'on ne peut pas dévoiler. On ne peut pas tout dévoiler, mais il y a quand même un mélange assez original entre la vidéo et l'atmosphère. On va retrouver vraiment les sensations du live au niveau des lumières, au niveau des concerts. Vraiment des choses très prononcées pendant que les chansons se feront, avec un accompagnement de vidéo et d'ambiance. Il y aura des écrans partout. Après, voilà, je vous en ai trop dit déjà.